Bonjour les amis, aujourd'hui on va lire un livre qui s'appelle La grosse patate. Wow. Est-ce que tu vois la grosse patate sur la couverture? Oui. On va voir qu'est-ce qui se passe dans cette histoire. La grosse patate, adaptée par Aubrey Davis et illustrée par Dusan Petricic. Il était une fois une fermière avec des yeux de patate. Il avait des yeux comme les tiens, et des yeux comme les miens, et des yeux de patate pour planter. Un jour, le fermier les plante justement à une patate et se met à pousser. Le patate grossit et grossit. Et grossit. Et grossit! Oh là là! Jamais on n'a vu une si grosse patate! Oh là là, tu vois que c'est très gros! Il est temps de l'arracher, dit enfin le fermier. Il agrippe alors à la patate, puis il tire et il tire. Mais la grosse patate reste bien enfoncée. Il appelle donc sa femme. Ohé, ma femme, ohé! Est-ce qu'elle va venir? La femme s'agrippe alors au fermier. Le fermier s'agrippe à la patate, puis il tire et il tire. Mais la grosse patate reste bien enfoncée. La femme appelle donc sa fille. Oh, tu vois, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit: Ouh, ouh, ma fille, ouh, ouh! Comme ça. La fille s'agrippe alors à la femme. La femme s'agrippe au fermier. Le fermier s'agrippe à la patate. Puis il tire et il tire. Mais la grosse patate reste bien enfoncée. La fille s'appelle donc son chien. Viens, mon chien! Viens! Tu vois, il y a, qu'est-ce que c'est ce point? Oui, c'est un point d'exclamation. Ouh! 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 Le chien s'agrippe alors à la fille. La fille s'agrippe à la femme. La femme s'agrippe au fermier. Le fermier s'agrippe à la plante. Puis il tire et il tire. Mais la grosse patate reste bien enfoncée. Le chien appelle donc le chat. Tu vois, il dit: Hé là! Chat! Hé là! Miaou! Miaou! Le chat s'agrippe alors au chien. Le chien s'agrippe à la fille. La fille s'agrippe à la femme. La femme s'agrippe aux fermières et la fermière s'agrippe à la plante. Puis il tire et il tire. Mais la grosse patate reste bien enfoncée. Le chat appelle donc le souris. Par ici, souris, par ici. Ah, est-ce que ça rime? La souris s'agrippe alors au chat. Le chat s'agrippe au chien. Le chien s'agrippe à la fille. Et la fille s'agrippe à la femme. Et la femme s'agrippe aux fermières. Et la fermière s'agrippe à la plante patate. Puis, il tire et il tire. Et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que tu crois? Est-ce qu'ils vont réussir à tirer la plante de patate? Et il tire et il tire et patapouf! La voilà enfin! La grosse patate. Quelle patate, dit la fermière. Quelle grosse patate, dit la femme. Quelle grosse patate, toute sale, dit la fille. Il lave donc le patate et il se lance aussitôt dans le popote de patate. Wow! Qu'est-ce que tu vas faire avec cette grosse patate? Oui? Le senteur de patates invite alors tout le village. Tout le village a senti que le patate était si bon, donc ils sont venus. Avec des fourchettes et des bols et du beurre et du sel, tout le monde fait la queue pour savourer la patate. Et quel festin! Est-ce que tu vois tout le festin qu'ils ont fait? Oh! Voyez-vous? Ok, ça dit,
Toute la journée, on mange et on mange. Et on finit par finir la patate. Ouf, il n'y a rien, rien. Comme j'ai fini par finir mon histoire. Donc, as-tu aimé cette histoire, la grosse patate? Si c'était toi, le auteur, que faisiez-vous en écrivant cette histoire? J'ai hâte d'entendre. Donc, si vous voulez écrire ta propre histoire, je veux bien lire ce que tu dois écrire. Au revoir, mes auteurs. Je vous aime.